veut bien que... Oh, la belle contre-attaque. Oh, oui, c'est là. C'est là tout seul, isolé un peu, il trouve du soutien. Didier, le mouvement peut continuer pour les Français. Campé qui tape à suivre pour lui-même. Ils arrivent dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. C'est un essai, ça. Saint-André, et c'est entre les poteaux. Magnifique. Et la France qui prend l'avantage au score. Après 11 minutes de jeu, c'est... À la ligne de touche, Hill à l'introduction. La poussée est stagnante. Hick plaqué. A échappé au plaquage de Berbizier. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ce maul. Hill élargi pour Carling. La balle maintenant pour Atkinson qui peut donner Underwood en position de débordement. Ah, essai de Underwood. Ah, il est pris, Jean-Baptiste. Essai de Underwood. La fusée anglaise, le meilleur marqueur d'essai du rugby anglais de tous les temps, ajoute un essai. En jeu cette fois, on essaie tout, on varie, bien fait. Et on retrouve Didier Camerabéro, Menel, Blond, c'est là qui va créer le mol. Oui, on enchaîne bien. Marocco à l'intérieur pour Cécilio. Oh, il se part. Regroupement et libération de la balle pour Didier Camerabéro qui joue très haut. Nous sommes dans l'embut anglais. Réception, essai. Essai de Didier Camerabéro accordé. Ouais. Oh, vite joué. Ballon pour Blond. Blond pour Camerabéro. Mêlée ouverte. Saint-André. Ils essaient de mettre le feu, les Français. On appelle les pompiers côté anglais, ça continue. Avec Stella. Stella et Didier Camerabéro. À l'intérieur sur Blanco pour Stella. Menel. Essai de Franck Menel. Essai en coin de Franck Menel. Pour le feu d'artifice des dernières minutes. C'est un essai pour l'honneur. Mais c'est tout de même un bel essai pour l'équipe de France qui va terminer ce match avec 3 essais à 1.